Thank you for watching! Bonjour tout le monde, donc merci d'être là parce que je sais à quel point c'est difficile pour des développeurs back-end de s'asseoir sur une chaise et tendance de parler de front. Donc vraiment merci beaucoup d'être là et je pense qu'on devrait aussi prendre le temps de remercier aussi parce qu'on est une belle communauté, on a des événements comme celui-là avec des qui sont organisés par des bénévoles, on a du monde qui répond sur les Slack, sur Stack Overflow, euh, on a des super librairies, des super bundles, je suis beaucoup plus familier avec l'univers de la Ravel, euh, avec l'univers de Symfony, mais je tiens quand même à remercier la Ravel. La Ravel parce que, déjà, faut le dire, vous me faites beaucoup rire avec euh, vos PHP Lambo, vos avis beaucoup trop tranchés sur beaucoup trop de sujets. Et puis, euh, faut qu'on en parle aussi de ce que vous avez fait il y a deux semaines, de créer un package pour enlever tous les finals de Symfony dans le d'or C'était très, 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 très fort quand même. Mais... Euh, à côté de ça, je vous charrie, mais je dois dire que je vous aime beaucoup parce que vous avez su prendre des bonnes initiatives au bon moment. Et on vous accuse beaucoup de plagiat par rapport à Symfony, mais il est vrai qu'aujourd'hui Symfony s'inspire aussi beaucoup de Laravel. Et en fait, ça va même plus loin que ça. C'est qu'on a trois gros frameworks Symfony, Laravel et Ruby on Rails. Donc Ruby on Rails, pour ceux qui connaissent pas, c'est un framework écrit en Ruby qui a une architecture qui ressemble beaucoup à celle de Symfony et de Laravel. Et en fait, ces trois gros frameworks qui sont des piliers du web aujourd'hui ont décidé de faire un virage qui est assez conséquent, celui de se mettre au front. Et ça va même plus loin, parce qu'ils ont aussi choisi d'intégrer du JavaScript. Et là, je sens que dans la salle, c'est un peu compliqué, parce qu'on connaît... <laughs> euh donc, euh, juste pour savoir un peu face à qui je me trouve, qui dans la salle est capable de me dire j'aime le Java je prends du plaisir à en faire. Levez la main. Ah, il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu quand même. Mais normalement, il devrait y avoir toutes les mains qui se lèvent parce que, je veux dire, on travaille sur des serveurs, on fait du code qui est abstrait. La moitié de la planète comprend pas vraiment ce que c'est un serveur et le, justement, le front, il est là pour quoi Il est là pour rendre notre travail palpable, pour le rendre concret, utile, et donc on devrait l'aimer. Mais je vous comprends. Je vous comprends parce que le JavaScript, c'est quoi C'est un nouveau framework qui sort tous les jours, et donc on finit par en choisir un par dépit, et puis au final, il est abandonné, et donc après, on se retrouve dans un projet qui est périmé, et on n'arrive plus à recruter. Et puis... Du coup, cette communauté qui est complètement éclatée sur plein de frameworks, ça fait que n'y a pas vraiment d'unité au niveau de comment écrire le code. Et donc, tout le monde écrit un peu le JavaScript à sa sauce. Et ça, faut qu'on en parle aussi. De ce node module. Je veux dire, je veux juste afficher un carré rouge avec une petite animation et je me retrouve avec un dossier de 4 où je comprends pas ce qu'il y a dedans. C'est, enfin, je comprends pas. Et, et aussi, ça crée beaucoup de frustration pour nous développeurs back-end, parce que un formulaire en Symfony, c'est quoi C'est une console, et c'est une, euh, une commande dans la console. Bin console make form. En React, comment ils font leur formulaire bah, Ça leur prend deux semaines et il y a des risques que ce soit buggé. Enfin, j'exagère un petit peu, mais le niveau de difficulté, c'est pas le même. Et donc, ça, ça a créé quoi pour nous, développeurs back-end ben, on a fui. On a fui et on s'est bien caché derrière des API. Comme ça, quand le développeur front il venait nous voir, on lui disait Écoute, t'as ton endpoint, tu te débrouilles avec ce que as. Et donc, le, le développeur front, qu'est-ce qu'il a fait Il avait envie d'être de plus en plus indépendant. Donc, il a créé des frameworks de plus en plus complexes. Et donc, on ne comprenait de plus en plus rien. Et donc, comme ça, c'est créer un cercle vicieux qui a créé une scission entre nos deux écosystèmes. Cette scission, elle est dangereuse parce que, on le sait, le front attire beaucoup plus les femmes et les jeunes, et on a aussi besoin de ces gens-là. Et aussi, ça crée des problèmes de communication au sein de nos équipes. Et ces problèmes de communication, ils se ressentent dans le code, car ça crée de la complexité inutile. Et donc face à tout ça, il nous fallait une solution. Et heureusement, Symfony et Laravel ont décidé de venir à notre secours. Donc l'idée, c'est pas de créer un troisième framework entre les deux. C'est de créer un écosystème qui soit le plus cohérent possible, qui soit, plus qui soit le plus familier pour vous développeurs de ces frameworks, donc qui va respecter les valeurs importantes par exemple les BC Break, le système de versioning, Et donc ces écosystèmes, ils vont avoir trois grandes composantes importantes. Il va y avoir un espace pour communiquer, donc un endroit où le front et le back vont se rassembler. On va le voir à travers les tweet components. On va avoir l'intégration de JS et un système de build. Donc juste avant qu'on commence, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, parce qu'il est important de comprendre que le but de Symfony et de Laravel n'est en rien de remplacer le JavaScript. C'est juste de le remettre à sa juste place. Le, la place du JavaScript, ce pourquoi il a été fait initialement, c'est euh, d'écouter ce qui se passe sur le DOM et d'agir en conséquence. C'est quelque chose qui vient ajouter du dynamisme à la page. Pas euh, rien de plus. Et donc, de toute cette frénésie qu'il y a eu autour du JS, il a émané quand même des choses intéressantes, et notamment la composante architecture. La, la composante architecture, l'idée, c'est de plus voir une page comme une page, mais comme un ensemble de composants réutilisables. Donc, si on prend cette page ici, on va avoir un composant qui affiche le logo, on va avoir un composant pour le titre, un composant pour afficher une liste d'entraînement. Et ce composant liste d'entraînement peut être lui-même composé d'une carte entraînement, enfin de plusieurs cartes entraînement. Et comme ça, en fait, on va descendre pour essayer de réduire notre page à des composants les plus atomiques possibles et les plus réutilisables possibles. Et donc, pour utiliser cette architecture, il va falloir suivre quelques concepts clés. Pour ça, il y a. Le premier concept clé, c'est la décomposition. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le fait de réduire une page à des entités atomiques et indépendantes. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, ça veut dire que vous allez créer des composants. Mais les composants, ils doivent surtout pas être conscients du monde dans lequel ils vivent. Ils doivent, ils doivent surtout pas être conscients de ce qu'il y a autour de lui, de, du reste de la page. Vous devez pouvoir prendre un composant, le mettre sur une autre page et qu'il fonctionne exactement de la même manière. OK Ensuite, il y a un concept de props. Les props, c'est quoi C'est si par exemple, vous avez un bouton qui a un style particulier que vous voulez pouvoir utiliser sur plusieurs pages, et eh ben ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une props qui qui va être un label et comme ça, vous allez pouvoir avoir un bouton qui va avoir un label nouvel utilisateur supprimer un utilisateur, etc., etc. Et ensuite, vous allez avoir un concept de state. Le state, c'est considérer qu'un composant, pendant sa durée de vie, il peut évoluer. Donc, il peut passer d'un état de chargement à un état actif, à un état euh, disable, etc., etc. La grosse différence entre les props et les states, c'est que la props, une fois que le composant, il est né, il va la garder toute sa vie. Le state, ça va évoluer au cours du temps. OK? Donc, on va distinguer deux types de composants. On va, comp on va avoir les composants anonymous. Donc, c'est des composants qui vont être purement visuels, qui, vont ne qui ne vont contenir aucune logique. Et les composants avec de la logique. OK? Donc, on va commencer par faire un petit anonymous composant. Alors, comment ça se passe? Donc, on va prendre l'exemple d'un bouton. Qu'on veut pouvoir utiliser sur plein de pages. Et alors, en Symfony, ça va se passer comment En Symfony, donc si on regarde la vignette Joe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans un dossier bouton, un template, primary bouton. Et en fait, le nom du template, il va être super important, parce que c'est ce qui va déterminer le nom de votre composant. Ce composant, vous allez lui donner une props label. Donc, ça veut dire que pour utiliser ce composant, vous allez devoir lui donner un label. OK? Et ensuite, vous avez votre HTML classique et vous allez chercher votre propriété label. Maintenant, comment on utilise? Donc là, vous venez de créer un anonymous composant. Donc maintenant, comment on utilise? Par exemple, sur notre, poche, sur notre page dashboard, donc on est à la vignette du bas, vous allez pouvoir utiliser une syntaxe. Qui est propre à Symfony. Et donc c'est twig, deux points, bouton. Donc le deux points, en fait, va nous permettre de naviguer à travers les dossiers. Et ensuite, le nom de notre composant, donc primary bouton, on lui passe notre propriété label. Et juste comme ça, vous avez créé un anonymous composant et vous l'avez utilisé sur votre page dashboard. Et figurez-vous qu'en Laravel, c'est pas très différent. Idem, c'est le nom de votre template qui va déterminer. Euh, qui va déterminer le nom de votre composant. Vous allez définir votre props label. Vous utilisez votre propriété label au milieu de votre HTML. Et ensuite, comment ça se passe Vous avez une syntaxe propre à la réveil avec un X-bouton, point. Du coup, le point, c'est pour naviguer à travers les dossiers. Le nom de votre composant et vous, utilisez, vous envoyez le label. Ok. Sauf que maintenant, on veut faire un composant un peu plus complexe. On a envie de faire un composant qui va utiliser des données, qui viennent de la base de données, donc qui va chercher une liste d'entraînement. Et on veut pouvoir afficher cette liste d'entraînement. Donc, ce qu'on va faire là, en symphonie, c'est qu'on va commencer par créer une classe. Qu'on va appeler TrainingList, donc le nom de notre composant. On va lui donner un attribut as component. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant, cette classe, elle est taguée par Symfony comme un component. Ensuite, on lui donne une propriété coach à cette classe. Donc ça, ça veut dire que pour utiliser ce composant, vous avez devoir lui passer une propriété coach, une props. On utilise le contrôleur, euh, le constructeur pour euh, récupérer le repository et on a une fonction getTrainings qui va nous permettre de récupérer la liste des entraînements pour un coach. OK. À cette classe, il va falloir lui attacher un template. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans notre dossier composant, on crée un template qui a le même nom que notre classe, training list. Et ce que va faire, cette, euh, ce, que va faire ce composant, c'est qu'il va récupérer la liste des entraînements, et pour chaque entraînement, il va afficher une carte qui va afficher notre entraînement. Ok et donc là, on retrouve un anonymous composant dans un composant avec de la logique. Comment on l'utilise, ce, ce composant Eh bien, c'est très simple. On a de nouveau notre, notre syntaxe, tweak de point, le nom de notre composant. On lui passe notre coach. Et juste comme ça, on vient de créer un composant qui nous génère une liste d'entraînement. Et comment ça se passe en Laravel eh bien, encore une fois, c'est très similaire. Eux, évidemment, ils extendent, parce qu'ils adorent extend. Et euh, donc, les, les, euh, les propriétés, elles se font via le, via le constructeur, donc notre propriété coach. On récupère notre repository, on a une fonction getTrainingList qui va euh, récupérer notre liste d'entraînement. Et par contre, eux, le, ma le mapping des templates, il se fait via une fonction render. OK Ensuite, idem, on a euh, une template qui va être attachée à notre composant training list. Et ensuite, pour l'utiliser, on utilise la syntaxe. Et juste comme ça, on vient de générer une liste d'entraînement avec la Ravel. OK. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. Des entraînements, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut être lourd de tous les afficher sur une page. Et donc, on veut pouvoir rajouter de la pagination. Pour rajouter de la pagination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un attribut. On va remplacer notre attribut. On avait mis as -tweak component. Là, on va mettre as live component. On va rajouter une propriété page index. Et à ce page index, on va lui mettre un attribut live prop. Cet attribut, il va permettre de dire ceci n'est pas une propre, c'est un state. Donc, ça veut dire que pendant la vie de notre composant, on va pouvoir incrémenter ce page index. Ensuite, donc, on récupère notre repository. On a une fonction next qui va nous permettre d'incrémenter notre page index. On va lui mettre un attribut live action. Okay donc, ça, ça veut dire que cette fonction, je veux que le front soit conscient qu'elle existe et qu'un utilisateur puisse l'utiliser. OK. Ensuite, on a notre fonction getTrainings qui va nous permettre de récupérer euh, nos entraînements, mais cette fois-ci, on utilise une fonction de pagination qui prend en compte notre page index. Et ensuite, on va modifier un petit peu le template de notre composant. On va euh, ajouter un accolade, accolade attribute dans une div qui va wrapper tout ce qu'on avait mis avant. Et on va rajouter un bouton. Un bouton qui a un data action, live action, data action name next. Et ça en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire quand il y a un utilisateur qui va cliquer sur ce bouton-là, et ben en fait, ça va appeler la fonction next. Notre fonction next, qu'est-ce qu'elle fait Notre fonction next, elle incrémente. Elle incrémente le page index. Du coup, le composant va être conscient qu'il y a eu cette incrémentation et il va re-render le composant. Il va re-render le composant et comme notre fonction de pagination, elle va prendre en compte ce page index, on va avoir une nouvelle liste d'entraînement. Et en fait, le front qui va être capable de dire "Ah, il y a eu ce nouveau render qui a été fait. Moi, j'ai cette version là." Et intelligemment, il va être capable de merger la nouvelle version avec l'ancienne. Pour que dans votre front se crée comme ça une pagination. OK, comment ça se passe euh, en, en Laravel Donc, il n'y a pas grand-chose à changer en fait parce que par défaut en Laravel, euh, c'est comme un live component. Donc, vous rajoutez votre propriété page index, vous utilisez votre fonction de pagination, vous avez votre fonction next. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le front, vous allez utiliser une syntaxe un peu particulière, wire click, qui va vous permettre de dire, ok, quand l'utilisateur clique ici, tu m'appelles la fonction next de mon composant. Et juste comme ça, vous venez de créer de la pagination. Et tout ça peut avoir un peu des allures de magie noire. Je veux dire. On a d'un seul coup notre, notre front qui est capable de parler avec, à notre bac de manière dynamique. Et en fait, ça, une, ça a une raison. Ça s'appelle Stimulus. Et Stimulus, c'est quoi C'est un petit framework JavaScript avec peu d'ambition. Le but, ce n'est pas de créer un virtual dome c'est juste de s'attacher à votre dome, d'observer ce qui se passe et d'agir. Et donc, comment ça se passe si on prend par exemple euh, l'exemple qui est ici, on va avoir dans notre DOM quelque part une div qui va contenir un data controller hello. Et là stimulus, il va regarder ça et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher un fichier qui s'appelle hello-controller.js. Et il se trouve qu'on en a un de hello-controller.js. Du coup, il va regarder ce qu'il y a dedans. Il va voir qu'il y a une classe extend controller. OK. Et ensuite, il va voir qu'on a, a défini des targets. Une qui s'appelle name et une qui s'appelle output. Des targets, c'est des petits mouchards qu'on va pouvoir glisser dans notre DOM et qui va nous permettre de récupérer plein d'informations sur ce qui se passe. Donc ici, par exemple, si vous regardez, si vous revenez dans le html Geo, on a un data hello target name. Et donc ça, ça veut dire quoi c'est-à-dire que notre petit mouchard name, il a été placé ici, et qu'à partir du moment, à partir de ce moment, stimulus, il va dire tout ce qui se passe dans notre input, et on va pouvoir facilement récupérer la valeur. Et ensuite, si on continue de regarder ce qu'il y a dans le dôme, vous voyez qu'il y a un data action. Et en fait, en stimulus, les actions, c'est des méthodes. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un data action Click, hello et great, ok. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que stimulus, eh ben au clic de l'utilisateur, il va aller chercher dans le contrôleur hello une fonction qui s'appelle great. Et il se trouve qu'on en a une. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait eh ben, elle va récupérer notre deuxième petit mouchard, donc output via output target. Et donc notre petit mouchard c'est un spam. Elle va rajouter du, du contenu de texte dedans. Et donc elle va rajouter Hello la valeur de notre input. Et donc ça veut dire que si je tape Matteo dans mon input, et ben quand je vais cliquer sur le bouton, il va s'afficher Hello Matteo. Juste comme ça. Donc pour donner un deuxième petit exemple. Euh, si par exemple on veut faire un bouton clipboard, donc euh, les boutons qui permettent de copier quelque chose dans notre clipboard pour ensuite, euh, par exemple euh, sur GitHub, il y en a un pour copier le nom d'une branche et ensuite aller la coller euh, dans, notre, euh, dans notre console. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On a un data controller clipboard. Donc Stimulus il va chercher un fichier qui s'appelle clipboard-controller.js. On, euh, on a notre classe qui est en contrôleur. On a placé un petit mouchard source. Ce petit mouchard source, il est sur une balise P. Cette balise P, elle va contenir un lien, celui qu'on veut copier. Ensuite, on voit qu'il y a un bouton clip, clipboard copy. Donc là, Stimulus, il va chercher au clic de l'utilisateur s'il n'y a pas une fonction copie dans notre contrôleur clipboard. On en a une. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle utilise l'API de notre clipboard pour écrire le contenu de notre target. Et voilà, juste avec de la logique simple, comme ça, accompagnée par stimulus, on peut créer énormément de choses. Et en fait, là, sans vous rendre compte, vous venez de comprendre comment ça marche, les toutes componentes qu'on a vues avant, qui vous permettaient de faire de la pagination. En fait, si vous vous souvenez bien, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rajouté... Un accolade, accolade attribute. Et cet accolade, accolade attribute, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il va rajouter un ensemble de petites data, notamment un data controller live. Parce qu'en fait, un live component, ce n'est rien d'autre qu'un contrôleur stimulus qui est suffisamment intelligent pour aller retrouver votre composant, appeler la bonne fonction récupérer le, la, la nouvelle version de votre composant et l'ajouter dynamiquement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que la communauté a été capable de créer avec Stimulus. Et donc, je vous invite vraiment à parcourir sa, cet écosystème qui est vaste. Et pour donner quelques exemples, il y a notamment un composant autocomplete. Qui vous permet de générer un champ autocomplete avec des vraies données de votre base de données en vraiment une seule ligne. Vous avez un composant Chart.js qui vous permet de créer des, des, des graphiques. Vous avez un composant Dropzone qui vous permet de déposer des fichiers. Vous avez un composant Toggle password Celui-là, je vous l'ai mis parce que c'est très, très intéressant d'aller regarder la PR qui a été faite euh, pour, euh, pour l'ajouter. Elle montre bien comment fonctionne l'écosystème de manière simple. Et on a un composant React. Et oui, parce qu'en fait, utiliser Stimulus, ce n'est pas forcément faire le deuil des autres frameworks comme React. En fait, c'est des choses qui peuvent être complètement compatibles. Par exemple, vous pouvez avoir un endroit dans votre page où vous allez avoir un tableau qui est très complexe. Donc, vous avez des choses qui bougent dans tous les sens, vous avez du drag and drop. Eh bien, ça peut être intéressant, à ce moment-là, d'utiliser Stimulus pour injecter du React à cet endroit précis. Vous déléguez la complexité à l'endroit où vous en avez besoin à React. Ok, mais sauf que maintenant, on a, euh, on a besoin de, de builder tout ça. On commence à avoir beaucoup de JavaScript dans tous les sens et on a, on a besoin de builder. Et avant, ce qu'on sait, c'est on utilisait Webpack encore. Mais la configuration, elle peut être vite compliquée. On peut vite s'y perdre. Et puis surtout, on se retrouve avec ce node module qu'on veut éviter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une innovation des navigateurs qui s'appelle les import maps. Et les import maps, c'est quelque chose d'assez pratique. Donc c'est un JSON que vous allez ajouter dans votre HTML, dans une balise script. Et ce JSON, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va lister les fichiers JS dont vous avez besoin. Ok Et en fait, si par exemple, vous avez besoin de bootstrap un moment. Donc euh, quelque part dans votre JS, vous vous retrouvez avec un import alert from bootstrap. Et ben en fait, grâce aux import maps, le navigateur il va être capable de faire ah, il a besoin de bootstrap. Bootstrap, il est dans son import map. C'est lié à un fichier qui est sur un CDN. Je récupère le fichier du CDN et je fais le lien. Et tout ça, ça se fait naturellement, gratuitement, directement dans les navigateurs. OK et pour nous assister à la création de cette import map, il y a un composant qui est super pratique en Symfony, qui s'appelle AssetMapper. Et donc l'idée, c'est que vous avez une commande à taper pour ajouter Bootstrap. C'est que vous faites bin console import map require bootstrap et il est complètement disponible dans tous vos fichiers JavaScript. Juste comme ça. Donc voilà, là on a fait un bon tour d'horizon de comment l'écosystème fonctionne. Donc maintenant il n'en tient qu'à vous de partir à l'aventure de cet écosystème, d'aller le, déco le découvrir. Franchement, amusez-vous bien, vous avez plein de choses à voir. Si euh, vous voulez contribuer, vous pouvez venir me voir, vous pouvez me contacter sur euh, mon Twitter, sur mon GitHub. Il y a, si vous rencontrez des problèmes aussi, euh, pour vous lancer, il y a un Channel UX sur, euh, sur le Slack de Symfony. Voilà, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci Mathéo. Euh, on a un peu de temps pour des questions. Donc si vous voulez euh, demander euh, des choses au speaker, n'hésitez pas. On va passer euh, parmi vous pour passer le micro. Bonjour, merci pour le talk qui était super. Euh, J'avais une question concernant Stimulus. Ouais. Euh, donc je sais que c'était un outil qui était beaucoup utilisé par la communauté Reigns, je crois, et donc qui ouais, était ça. déjà éprouvé, etc. Mais euh, est-ce qu'il a été, enfin, euh, est-ce qu'il a été cha challengé et si oui, avec quoi au moment de, de l'inclure, enfin, euh, de, 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 des premiers pas dans les, euh, dans le Symfony X, etc. pour que ça devienne la base en fait maintenant de, et pas euh, peut-être un Alpine JS par exemple qui fait à peu près la même chose de manière Peut-être un peu plus moderne entre guillemets dans le sens on peut écrire du geste que euh, que sur le front etc. Enfin voilà savoir s'il avait été challengé et si oui euh, avec quoi. En fait, euh, stimulus, ce qui s'est passé, c'est que ça a été initié par Ruby and Rails et euh, qui a été euh, utilisé. Et ensuite, il y a la Ravel qui est par. Enfin après il y a. En fait, l'idée, c'est si tu veux, c'est de créer un écosystème qui soit le plus cohérent possible. Donc c'est pas, pas de challenger, c'est une mise en accord parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à l'utiliser et en fait il va devenir sérieux parce qu'il y a du monde dessus. C'est plus ça l'état d'esprit qu'il y a. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Matteo, une deuxième question. Ouais. Salut, merci pour cette conférence vachement enrichissante. Euh, moi, j'avais une question parce que sur l'un des slides, on voit qu'il y a apparemment un composant React pour s'intégrer avec le framework. Euh, ouais. Je voulais savoir comment, enfin, est-ce qu'il est possible de lier un, un élément du DOM, à, alors que ce soit un composant React ou mais à autre chose comme Vue ou Svelte, qui ont aussi des approches orientées composants. Et est-ce qu'on peut vraiment faire le lien avec, entre un Twig component et un composant Vue ou Svelte ou React Est-ce que c'est possible Ah ouais, mais complètement en fait. C'est carrément l'objectif en fait c'est que il euh, y a oui il y a aucune barrière là dessus. Et en plus j'ai présenté le composant React, mais as un composant Svelte et un composant vue qui marche de la même manière où en fait c'est un contrôleur stimulus qui va t'injecter ton React à cet endroit là et après tu auras accès à toutes les données de ton composant. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question Bonjour, merci pour la super presse déjà. Euh, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en gros, on n'écrit jamais de stimulus. Ce que tu nous as montré, on le. Ah, si, pas. si, 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 il va si. falloir mettre un peu les mains dans ah, le JS. Okay. Mais justement, l'idée, c'est d'avoir euh, créé, si tu veux, un, un framework qui soit très accessible pour nous, où en fait, tu vas injecter du JS exactement là où tu en as besoin. Mais il y a des moments où tu vas te retrouver à en écrire un petit peu. Oui, donc la pagination, on fait les fetch pour aller choper les... Ah non, ça c'est tout fait. Ah, ça, ah, là, je t'ai montré tout le code dont tu avais besoin pour créer la pagination. Tu avais euh, tout, tout, tout. Okay. Ouais. Il y avait une dernière question, après on s'arrêtera là. Merci Mathéo pour la prise. Euh, moi j'avais une question plus euh, dev expérience. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à l'intégrer dans les IDE Puisqu'on on voit que les syntaxes elles sont un petit peu particulières et euh, j'imagine qu'on ne doit pas avoir beaucoup d'autocomplétion là aujourd'hui. Est-ce ouais. que ça fait partie un peu des chantiers euh, pour la suite ça, Je pense que ça va être important pour l'adoption. Euh. Ouais carrément. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il il y a une PR qui est faite euh, sur euh, la nouvelle syntaxe, par exemple, on ping euh, euh, l'équipe GenBrain et franchement, ils répondent super vite. Ils sont super gentils là-dessus. Euh, je les ai beaucoup chiés euh, ces derniers temps. Euh, mais, euh, mais après c'est dans les limites du possible. Euh, en tout cas les tickets ils sont faits. Euh, t'as déjà de l'autocomplete qui est fait pour euh, la nouvelle syntaxe sur les composants avec classe. Donc quand tu crées un composant avec sa classe et que tu tapes tweak deux points, t'as déjà l'autocomplete qui est fait. C'est juste sur les anonymous, ça n'a pas encore été fait, mais euh, en tout cas le ticket il a été fait et ils l'ont vu, ils l'ont pris en considération. Je ne sais pas si tu utilises la suite Jane brains, mais en tout cas, en tout cas, du côté de brains, c'est fait. Après, il y a des gens qui veulent développer un plugin pour euh, euh, comment ça s'appelle Ouais, voilà. <laughs> L'autre. Merci beaucoup, euh, ouais. Mathéo, pour euh, les réponses et pour euh, la ouais. conférence. Ouais. Merci.